Nous sommes à la ferme de la Cabinette qui se situe sur la commune de Onzain, une commune nouvelle de Vezin-sur-Loire. La ferme existe depuis 40 ans. 40 ans qu'on fait des chèvres, mais la ferme va bientôt avoir 100 ans. C'est vrai qu'on a commencé il y a 40 ans avec 25 chèvres et au jour d'aujourd'hui, nous avons 200 chèvres sur 75 hectares où nous produisons du blé, de l'orge et beaucoup aussi du foin pour les chèvres, pour la nourriture des chèvres. Tout notre lait est transformé sur différentes formes de fromage. Donc on transforme tout sur place et tout est vendu sur des circuits courts. Donc ici sur la ferme à 80% avec les marchés et aussi sur comment dire, les 20% autres sont des épiceries, des restaurants à 30 km autour de la ferme. Notre lait, donc on chauffe notre lait jusqu'à 84 degrés, on le laisse en maturation pendant 1 heure et ensuite on refroidit notre lait. Et quand on a refroidi notre lait à la température que l'on veut, on met nos ferments dedans pendant une vingtaine de minutes et au bout de 20 minutes, on met le lait dans les pots. Et les yaourts, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que vous faites depuis combien de temps? Depuis 4 ans, depuis 4 ans on fait des yaourts. Donc ça se développe petit à petit, le marché se développe tout petit à petit. Parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas beaucoup le yaourt au lait de chèvre, alors ils sont un peu prudents. Alors, juste après, on avait créé le riz et la semoule, qui est une toute petite production. Et à partir de la semaine dernière, on a créé des crèmes dessert.